Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de League of Legends. On joue Mundo Jungle. On est en solo queue en Gold 1. On est avec un Sion, une Katarina, une Caitlyn, une Senna contre Cho'Gath, Fiddlesticks, Vladimir, Twitch et Brand. Ok, c'est parti. Bon, je reçois plein de messages chat in-game, non-chat Twitch. On va déjà essayer de faire la game correctement. On y répondra après. Mundo Jungle, on va prendre le Red Smite, je pense. Hop. Bon, il me faudra pas mal de res magique. Dommage qu'il n'y ait plus. Je crois qu'il n'y a plus du tout de res magique sur Mundo. Hein. Il y a une époque, t'en avais avec le. C'était le E ou le Z qui en donnait, je crois. Maintenant, il n'y a plus du tout ça. Hein. On peut essayer de ganker la top lane assez vite, il n'y a pas beaucoup d'escape en face. Le mid ça va être plus compliqué. Top et bot sont assez bien gankables en vrai, il n'y a pas beaucoup de dash ou de mobilité extrême. Let's go! Fiddle qui joue Electro Cut. Ouais, bon il faut que je rush assez vite le visage spirituel dans la game là je pense. Mercurize, Sunfire, Visage Pi. Est-ce que je fais l'hydro titanesque avant? Ça va être la question. C'est parti. Bon, je voulais juste lui dire, mais il s'est fait ban. Mundo, j'aime bien aussi, hein, ça devrait aller. La Caitlyn qui radie dans nos tours. Hein. Il aurait pu en mettre une là. Ok, faut que je surveille vraiment la top lane. J'ai pas optimisé le DPS, j'aurais dû garder un petit envie pour le lancer sur le gros. C'est pas grave, on reprend un peu les marques. Le clear de Mundo, c'est vraiment un délire. J'aime bien, j'aime bien. On va voir pour passer top. Alors malheureusement, il y a beaucoup de sbires. Ok, le mid qui récup, c'est pas mal. Lui laisser sa wave, je vais essayer d'être à l'heure pour les carapes. J'aurais peut-être eu moyen de gagner le trade sans lâcher le flash. Je vais essayer de décaler directement carap bot. On va jouer avec la 4. Est-ce que j'ai raté mon Q-spell là? Oui, tout à fait. Et alors? Ok, le Mundo Tempo Mortel qui déploie son potentiel. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va go mid, hein? Là, je sens que ça va être une game de bon singe là. On va full s'auto-taper, ça va être magnifique. Si la 4 peut bait un peu. Je sais qu'il a sa flaque, mais en vrai, il est fou. Ouais. Bon, il est obligé de reset. Je vais pas trop forcer, il y a direct 40 secondes. Je peux me faire un back correct là. J'ai bot les cendres de Bami avec une ward. C'est parti, on va essayer de jouer le Drake. J'ai peut-être le temps de faire des petits camps en passage. Est-ce que le bot a besoin de reset? Je pense pas.
Ok, la 4 qui reset. Celui-là, faut vraiment pas que je le rate, hein. Je vais avoir besoin du boost de MR. Je vais prendre mon level 5 sur le Gromp et aller au Drake. Ce serait bien qu'on ait de la vision dessus, j'aurais peut-être pu prendre la plante là, mais je pense pas que le Fiddle le fasse trop vite. Après, on n'a pas de vision. Hein. J'espère que je grid pas. Ok, on est good. Il y a une ward, on va la clear tout de suite. Est-ce qu'on peut venir bot? Je pense que le Fiddle devrait pas tarder à se pointer, mais. Ok, ça, ça régale. Est-ce que je le tente? La bot domine. Le mid devrait être pas trop mal en soi. Là, en principe, je suis un peu vu à 1000 km, mais bon. J'ai un peu de stuff. Dans le seul fil de les bots, on peut snipe le Drake. Faut le DPS. DPS, please, 4. Lance tes sorts sur le Drake, fallait le DPS. Bon, après, il a son ult. Ah, j'ai pas pu relancer le Z, je survivais. J'ai pas été très bon. Bon, la Katarina a eu raison en vrai, la bait. Après, c'est moi qui ai bait. J'ai hésité, hein, j'étais sûr que le Fiddle était dans le coin. J'ai hésité, on aurait pu DPS le Drake, mais elle a bien réagi en vrai. Elle a fait le bon choix. J'aurais dû lui faire davantage confiance. C'est pas mal. Ah, là, par contre, c'est pas le moment de se faire nimp. Bon, la Kat a l'air pas mauvaise quand même, ça fait plaisir. On va essayer de lui donner un max de kills. Let's go. Ouais, j'aurais pu jouer un tout petit peu mieux le fight et rester en vie plus longtemps. Là c'est bon, le bot il peut venir au Drake en principe. Je comprends pas ce qu'ils font. Juste on le DPS en fait. Hein. Voilà, je sais pas pourquoi ils veulent pas. Ok, on go bot, on go bot. Ça touche. Je sais pas pourquoi je suis tout seul, mais. Ah, l'auto qui passe! Ouais, bon. Ok. Je me serais attendu à un peu plus de follow-up. Caitlyn qui est very set, ouais. Bon, on va tenter des trucs aussi, hein, NP. On va prendre Max Res Magique, on en aura besoin. Bon, on va pouvoir faire une petite phase de clear. Aller choper le Herald ensuite. Ok, la 4 est toxique, c'est chiant. Dommage. Elle a l'air pas mauvaise, mais. Il y a souvent une corrélation entre ceux qui sont pas dégueu et qui sont toxiques, hein. C'est une triste, triste réalité. En même temps, je suis en phase de reprise de jeu, donc j'aime bien aussi jouer un peu en limit testing. En général, pour progresser, il vaut mieux être un tout petit peu trop agressif que trop safe. Souvent, si tu joues trop safe, en fait, il y a certaines opportunités que tu rates. Alors qu'en jouant agressif, bon, bah, tu prends des moods un peu trop greedy, mais au moins tu joues, quoi. Et Mundo, c'est vraiment un perso pour tenter des choses, donc... Je m'attendais à ce que ça suive un peu plus, là, sur le nouveau bot. Et que le tige tombe un peu plus vite. Ok, le Fiddle a pas l'air de trop counter jungle, il aurait pu un peu, là, mais... Bah GG 4 hein. Ok, fidèle bot, on va rush le Herald. Par contre le Twitch à chaque fois il récupère, ça commence à m'inquiéter un peu. Executed.
Ok, ça se fait exécuter en face. Genre, ça paye pas l'œil là. Le Mundo Tempo Mortel! Ah, bordel! Ça me... Le passif qui me fait ne pas prendre le. Je sais pas pourquoi il a pas voulu jouer le sion, par contre, là c'était friki là, mais. On va dive, hein. Ça touche. Bah oui! Ouais, le sion, bizarre, pas trop compris. J'ai des dégâts qu'on pourrait ne pas soupçonner. Bon, pas besoin de forcer. On va venir récupérer les Krugs. Ok, bon. Très bien. On va aller récupérer Krugs au-dessus. On va pouvoir reset, prendre Sunfire. Ah bah, on l'avait déjà en fait. Là, normalement, le plus gros risque de défaite, c'est Katarina qui se met à tilt. Hein. À mon avis. Okay, j'ai 2000 gold. Par contre, il faut vraiment s'occuper de la backline. Il va falloir que j'aille jouer avec eux. Et c'est pénible parce que j'étais parti dans une optique plutôt res magique. Ouais, ça peut me mettre au fond, ça. Twitch 9 kills. Comment ils peuvent se faire bouffer à ce point-là? Allez, 20 secondes le Drake. J'ai le temps de faire le Gromp, je pense. Bon là, il faut pas l'engage, hein. Il faut prendre le fight. Je pense que je vais courir, hein. Ok, le fidèle a lâché l'ulti. Mais pourquoi je suis tout seul en train de fight? Pourquoi il me suit pas? Mais... Je fais... Bah j'ai fait l'engage, Katarina était pas là. Ils m'ont laissé tanker en 1v4 pendant 1000 ans. Ok. Bah nice. Ok, je comprends pourquoi ils sont en 2-bit la botlane. Ça gérerait de jouer à LoL aussi un jour. Hein. Ok, 4 qui met tout, le Vlad qui flash. J'ai pas compris là, pourquoi j'étais tout seul comme ça. Bon, bah très bien. J'aurais, par contre, j'ai go in le fidèle, j'aurais dû garder mon smite pour le mettre sur le Twitch et lui courir dessus. Ça, c'était une erreur de ma part, mais... Ok, la Senna qui lance ses trucs dans le vide, non mais c'est catastrophique. Ah ouais, ils sont pas au niveau là, malheureusement. Ça va être compliqué. Bon, j'ai mon ulti 30 secondes. On va peut-être pouvoir tenter des trucs. On peut le tenter. En vrai, personne n'a l'air de vouloir s'en occuper, hein, donc pourquoi pas. Hein. D'accord, donc il y a un Drake Infernal, tout le monde s'en tape. Ça TP top. Oh, les games de gold, c'est vraiment quelque chose. Bon, bah nice. Hein. Pas contesté, un Infernal. Ce jeu me... m'étonnera toujours. Let's go la macro! Ok, le fidèle est par là. En soi, on peut peut-être essayer d'aller le saouler un peu. Ok, j'ai la plante en escape. On y va ou pas? Non, il y a le Twitch qui va être derrière, je pense. Pas besoin de forcer. Ok.
Mais pourquoi ils me tapent? Pourquoi ils mettent pas d'auto? Oh, c'est pas possible. Il y a que dalle à faire. Bon, le tweet, il manquait une auto pour le tuer. La Senna, elle joue vraiment pas. Ouais. Ça, c'est mon problème. Ça, je suis trop en mode on essaie de jouer, on tilte pas et tout. Et j'essaie de jouer avec les gens qui sont éclatés dans la game. Mais faut comprendre que c'est pas des joueurs en fait, c'est des PNJ. C'est un peu sad. Salut, il ressemble fort à Mundo, le nouveau Udyr, je trouve. Bah, je trouve pas du tout. Il y a littéralement zéro sort qui ressemble. Je ne te suis pas sur ce constat. Ah là, la game est pas win, hein. Le Twitch, il peut stomp, en fait. Non, t'as compris, c'est une boutade parce que tu joues Mundo. Ah oui, d'accord. Ah bah, c'était drôle. Moi, j'aime beaucoup l'humour. Hein. Pas un Twitch invisible, par hasard. Oh, le blast hitting, j'ai tout eu. Incroyable. Ah, je crois que la botlane, ils vont aller juste se suicider en boucle toute la game en fait. Hein. Voilà, la Katarina qui tilt. On va arriver. Ah non, c'est pas la 4 là, c'est qui? C'est la 4. C'est encore ce genre de game où tout est gagné et ça va être une game de 40 minutes avec des AFK à répétition parce que tout le monde se tue. C'est exactement ça en fait. La game est gagnée, on a Infernal Montagne, on a une Katarina qui est en semi-smurfing. Et la botlane va continuer à run down et la Katarina va se mettre à jouer de plus en plus agressive No Brain et ça va être une game de merde. Et en face le Twitch va se tomber. J'ai déjà vécu ça mais 1000 fois en fait. Je connais déjà le scénario. Hein. Bon, faut que je trouve le bon équilibre entre farmer et être présent avec eux. Là j'ai de l'impact dans les fights. Alors j'ai envie de dire j'y vais mais en fait la Senna va pas jouer, il faut pas que je croie qu'on est deux, je suis tout seul. Ok, il y a de la vision ici qui a été prise. Voilà, c'est... Je sais pas pourquoi ils sont obligés d'aller se tuer les uns après les autres comme ça. Et on va perdre la game comme ça. Hein. Oh. Eh, ce jeu c'est vraiment un truc de fou quand même. Ce jeu c'est vraiment un truc de fou furieux. Il n'y a que avec la Katarina que je peux jouer. Non mais ça va aussi, ils prennent pas de dégâts. Normalement c'était... J'ai pas pu mettre mon auto. Si je mettais l'auto, il était mort. Ok, ok. Bah nice. Ouais, ça va encore être une super game. I can feel it. C'est un truc de dingue. Hein. Mais c'est justement parce qu'il y a des mecs qui bouclent le jeu à 10 games par jour que les gens jouent comme ça en fait. Si les gens faisaient juste quelques games dans un bon mood, là on aurait déjà gagné en fait. Ça aurait déjà FF en face, ce serait réglé. Et là c'est... ça me fait mal au crâne hein, ce que je vois vraiment. Bon, je sais pas si c'est pertinent d'aller fight le Vlad, on va juste récupérer le farm je pense. Le Vlad me fait pas spécialement peur, après faut que je fasse gaffe parce qu'il a de l'anti-kill quand même mais... Si je pouvais avoir mon hydre ce serait ouf. Il y a un Drake là. Pour une fois, personne en position pour le Drake, ça change pas. Je pense que je vais encore le faire en solo tranquillou comme l'autre. Hein. Parce qu'apparemment, personne ne défend les Drakes dans cette game. On va avoir ça à 25 minutes, ça va être bien. Non, en principe, ils ont pas l'air en position. Juste on tape le Drake en fait, je pense. Je pense pas que le Fidèle soit dans le coin. Voilà. Pas besoin de fight, hein. Je vais laisser le bleu à 4 parce que je sens qu'elle va péter un point. On va essayer de la...
de la carry psychologiquement parce que là je vais venir. Alors par contre ça c'est pas cool. J'ai tout eu MDR. Ok, je vais reset, j'ai mon hydre. J'ai pris les 3 Drake et le Herald. Hein. Vraiment macro game, fiddle, GG à tous. C'est juste le Twitch qui peut poser problème si mes alliés continuent à suicider dessus en boucle. On va voir. Je pense que je vais devoir peut-être go turn mail du coup. Pourtant c'est full AP en face, mais ouais, je pense que je vais go turn mail. Hein. C'est le Twitch, c'est le seul problème en fait. Il faut vraiment que je me conditionne à les courir dessus dans les fights. Et là le dépêche avec l'hydre c'est un autre jeu. Vas-y Katarina, prends ton sbire, c'est bien, il est à toi, bravo. Il n'y a pas de tuto sous-mort, rassurez-moi. Je vais leur montrer mon petit Mundo tempo mortel là, ça va calmer tout le monde. Par contre mon perso avance pas à l'aide. C'est Nak qui récupère pas, par le taf que j'ai fait dans le fight là. Ok, on va aller dépush. Je sais pas trop où est passé le Twitch, j'ai l'impression qu'on l'a pas tué mais... Ouais, j'ai eu peur qu'il me tombe dessus. Non, Caitlyn, tu mérites pas d'avoir du farm, hein. Désolé. Tu n'as plus droit à la parole dans cette game. Ta candidature d'accès au farm a été rejetée. Hein. Ok, j'ai un bac à 1200 ou à 1500. 1700 plutôt. Comment ça, shutdown sur le Vlad? Le problème du Vlad, c'est que même quand tu veux le tuer, tu le tues pas en fait. Bon, ouais, je vais pas grid, je vais reset. Il me faut l'anti-heal. Je peux prendre une pink. Pas beaucoup de ward, je trouve. C'est assez embêtant. J'aurais pu prendre ça, tu vois. Canaille farm, non tu peux pas, t'es en 06, t'as fidèle Twitch en fait, t'auras rien. Tu n'auras rien Caitlyn. Tu as perdu ton droit à réclamer le farm. C'est ce qu'ils font. Mais ça c'est un flanc, ça j'ai reconnu. Bon, il a la BOTR qu'a le Twitch. Ok bon en vrai j'ai absorbé un peu de son rox. Hop. Et je reste en backup derrière. Le Twitch il a pas été cramé apparemment. Ok, le Fiddle a 2 PV. Il y a du potentiel là. Hop là, mange mon grand. Bon app. Mais qui c'est qui spam FF? Mais les gens, c'est vraiment premier degré. Hein. Je sais qu'il y en a qui disent ça des fois pour faire un peu genre, mais il y a vraiment de la détresse psychologique là. Les gens mais sont dans un état. Je pense qu'il y en a, ils éteignent le PC, ils se mettent à pleurer. Vraiment, c'est... Ouah, ça fait vraiment de la peine, le premier degré. Bon, on va essayer d'aller choper le Shogat. C'est le touche le danger, évidemment. Ok, il va tous me ramasser, là. Ok, la cage est pas trop mal. Barre-toi, j'ai pas les outils. Faut qu'on prépare le Drake, c'est Saul. En termes de KDA, c'est un peu compliqué là, la team n'est pas très aidée. On va essayer de choper un max de PV. J'ai go turn mail parce que vraiment le Twitch c'est celui qui pose le plus de problèmes en fight. Si je lui mets de l'anti-heal déjà, ça lui en enlève un peu. Si j'arrive à aller le choper, moi je peux lui mettre beaucoup de dégâts assez vite. Le problème c'est qu'avec sa BOTRK, il me trucide quoi, mais bon. En vrai, juste on court sur le Drake, hein, je pense. Ok, je sais pas, le Sion il a l'air de vouloir fight, il fait des engages un peu étranges, mais le truc c'est que tant qu'il n'y a pas la Katarina, je suis pas giga serein.
Plus c'est en train de fight. Mais Kat, mais viens. Ça c'était un peu inespéré. Oh le caisse. Bon. On s'en sort pas trop mal. Smite 4 secondes. Est-ce qu'on le pull? On va dire que ça va passer. Et voilà, sol 25 minutes, hein, je l'avais call. Hein. C'est le niveau de macro des junglers, c'est... C'est étrange. On commence à être vraiment bien. Je suis suffisamment tanky pour pouvoir faire face au Twitch en fight. La Senna, ça me fait de la peine parce que tu vois qu'elle essaye, mais... Faut absolument qu'on ait de la vision sur le Nashor. Je l'ai pas vu poser une seule ward sur les objectifs pour l'instant, ça fait un peu de la peine aussi. Elle joue au D-Ward en support. Qui fait ça en fait? C'était sûr et certain, mais sûr et certain que j'allais pas l'avoir ce bleu. Il n'y a pas une seule seconde où j'ai espéré l'avoir en fait. Je le savais. Eux forcément ils ont des wards partout par contre. Hein. On connaît. Hein. J'ai envie de fight. Ok bon je lui ai fait claquer pas mal de trucs. Qu'est-ce qu'on peut faire derrière ça? Vider la jungle en face. Là le danger ça va être le Nashor. J'ai peur que le temps que je reset il fasse un Nash en face. Par contre je mange chaud là dans la jungle, ça fait plaisir. Miam miam. Merci Fiddle. Les bons dégâts du Mundo Tempo Mortel. Ok, 2000 gold. Ok, il lâche l'ulti là-dessus. Il doit avoir du backup derrière, je pense, parce que là, s'il espère me tuer, il va être déçu. Hein. Ok, le flash qui est lâché en face. La Senna qui peut pas mettre en ulti, non? Je sais pas. Genre tue-le en fait, mais c'est un truc de fou. Hein. Il avait plus sa flaque, il avait plus rien. Il était pris en sandwich. Bon. Unlucky. Ok, j'ai bientôt la Warmog et après il me manque plus qu'un item et je suis full. J'ai pas mal de value, faut pas qu'ils prennent trop de fights sans moi. J'ai un très bon farm grâce à l'hydre. Et j'ai récupéré aussi beaucoup de kills. C'est pas pourquoi on n'a pas la vision en permanence sur le Nashor en fait, parce que le Twitch peut le faire en 2 secondes. Non, il préfère prendre des fights random. Vas-y, je vais y aller pour pas la laisser toute seule. Mais... Ok, je me suis fait troller par l'auto-attaque de mon perso. Ça régale. Je sais que j'avais pas besoin de flash là. Après bon, ça grade des inhibs à côté. Ok, je cancel le tue, ça régale. J'ai presque envie de courir dessus. Hein. S'il a pas de backup en vrai. Ils sont en train de se faire gratter. On pourrait Nash. Je prends la tour là. Doucement mon petit Twitch. Que j'ai ma Warmog si je reset. Katarina elle a envie de fight, hein, ça se voit. On peut peut-être faire des petites traps. Là j'ai des dégâts qui peuvent carrément surprendre.
Ok, je suis vu malheureusement. J'aurais bien voulu aller sur le brand, mais... Merde, j'ai raté le gros bien. Hop, je pense qu'il y en a forcément un ou deux qui vient sur moi là. Maintenant c'est Nashor et on finit. Hein. Je suis big 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 là. 5 levels de différence avec le fidèle, bah yes. Hein. Yes yes. La Katarina au final qui s'essouffle de fou, hein. Là c'est moi qui suis en train de porter la game. Je pensais qu'elle allait complètement stomp, mais ça c'est typiquement un joueur qui a des mécaniques mais mental en mousse. Avec leur lit qu'elle a eu, c'est pas normal qu'elle soit à SKDR en fait. Bon là je cours tout droit sur le Twitch et on gagne. Hein. C'est le projet. Ok, changeant de projet, on va courir tout droit sur tout ce qui est devant nous. Ok, le Twitch me défonce à l'aide. En fait non ça va. Hop, prends-toi ton coup de boule de tempo mortel. Deuxième. Non, non, tu vas pas du tout le manger. Petit Shogat. Jamais de la vie en fait. Jungle diff. Eh oui. J'étais bien content d'avoir ma côté punaise hein, sur le dernier fight là. Et bah je pensais vraiment que la Kata allait solo carry, mais au final heureusement que j'étais là, hein, franchement. Qui est-ce qu'on va honorer? J'ai envie de mettre de l'honneur à Senna pour la bonne volonté, elle a littéralement rien fait de la game, mais... On va dire, Sion, il est resté... Il a joué la game, il était pas trop dedans, mais il a pas fait n'importe. Bah, finalement c'est moi qui ai As+, ouais. Très très étrange hein, ce qui s'est passé. Je suis pas à l'aise avec leur nouvelle interface là. Ah oui, genre, je suis très très loin devant en fait. Ah oui, j'ai 10 000 gold de plus que 4. Je vais voir où est-ce qu'on voit les graphiques. Je connais pas la nouvelle interface. Pourquoi ils ont tout changé? C'était très bien avant. C'était un des seuls trucs... Oui, c'est là, ok. Ouais, je suis quand même pas mal devant. Bon, bref. Voilà, bah écoutez, petit Mundo Jungle qui a un pick alternatif quand mon Udyr est pas dispo, qui va peut-être devenir un de mes picks principaux maintenant que le Udyr a été changé et que ce sera peut-être un peu moins mon main. On va voir. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'ai lu tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.